Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de WebRTC, donc de ça. Voilà. Vous voyez, donc j'utilise mon téléphone. Donc là, c'est vraiment, je suis sur Chrome. J'aurais pu très bien mettre Firefox. Mais donc voilà, là, on est simplement avec deux navigateurs. On fait de la visio. En temps réel. Donc, globalement, le WebRTC, ça peut donner des choses comme ça. Alors, merci les sponsors, parce que bon, bah, c'est très bien le Brescamp, mais s'il n'y avait pas tous les sponsors, on ne serait pas capable de faire cet événement. Je viens les remercier avec ce slide. Et moi, qui je suis? Donc, je suis Jean-François Garraud, je travaille chez SQLi à Nantes, et accessoirement, je suis leader du GDG Nantes. Donc, GDG, c'est un autre user group, plus orienté techno Google, et donc sur Nantes, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va parler un petit peu d'histoire, on va voir un petit peu d'où on vient, pourquoi on a fait le WebRTC, on va voir ce que c'est le WebRTC. Je vais revenir un peu plus en détail sur une des composantes du WebRTC, enfin sur chacune des composantes qui constituent le WebRTC. Parler un petit peu de la sécurisation, et enfin on va parler, parce que je vais quand même montrer du code à travers tous ces slides. Qu'est-ce qu'il y a pour simplifier un petit peu tout ça pour nous les devs? Qu'est-ce qui va nous servir? Alors, concernant l'histoire, selon vous, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? C'est ces différents devices. Ils sont connectés. Ok. Des écrans. Et puis au final, ils ont tous un browser en fait. Même la glace, elle a quand même un truc pour naviguer. Le Kindle aussi, et demain les voitures, etc. Les téléphones. Bref. On se rend compte vraiment que le navigateur est partout. Et donc, il est au cœur de toutes nos interactions, de beaucoup de nos interactions. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé à travers l'histoire du HTML, l'image a été tronquée, c'est ça. On voit donc qu'il y avait les nouveautés, et puis là on voit à partir de 2010-2011, c'est là où il y a eu en fait vraiment les WebSockets, etc. Et là en fait normalement, par ici, vers 2013, on devrait voir en fait ici WebRTC, ça apparaît, il est ici, WebRTC. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, la flèche elle va vers 2013. On est vraiment dans quelque chose qui est très très récent. Qui est quand même déjà, qui commence déjà à être adapté un petit peu et supporté par quelques navigateurs, et c'est tout ça vraiment qu'on va parler. Alors, une petite question pour vous qui lit des vidéos en fait sur son téléphone aujourd'hui? D'accord, qui est quand même une bonne majorité. Qui c'est qui s'en sert pour faire de la visio avec son téléphone? Ouais, il y en a quand même. Et enfin, qui c'est qui fait du peer-to-peer avec le téléphone un peu moins, mais on va dire qui fait du peer-to-peer globalement. C'est filmé ou quoi? C'est pas filmé, hein, c'est bon, c'est coupé là, c'est fini. Et donc si on parle de peer-to-peer, aujourd'hui le peer-to-peer globalement c'est ça. C'est pas vraiment... Ok, on est d'accord, on va passer par un serveur tiers qui va s'occuper de nous redistribuer vers quelque chose d'autre. Est-ce qu'on voudrait pas que le peer-to-peer ce soit plus quelque chose qui ne passe pas par un serveur? Certes, on tolère potentiellement des relais, mais globalement on veut pas dépendre d'un serveur, on veut être connecté directement. Le peer-to-peer normalement c'est ça. Donc du coup, on va faire un petit peu nos courses sur le constat, là, le fait que vous ayez levé la main sur pas mal de choses et sur ce qu'on voudrait. Donc si on avait la possibilité de gérer une communication réseau propre entre deux PC, donc vraiment en peer-to-peer, si on avait la possibilité de pas se soucier de l'encodage, parce que c'est vrai que c'est chiant, on n'est pas tous des experts en images, en vidéo, etc. Si on n'avait pas aussi à se soucier d'installer des plugins, des Silverlight, des machins flash, des trucs mûches, qu'on sait pas, le truc Hangout, là, oh, c'est relou, quoi. Moi, je veux faire une visio, c'est tout, quoi. Je veux parler avec des gens. Et puis... si on pouvait faire ça, finalement, avec n'importe quoi.
Bah ça c'est ce qu'on voudrait. Et si bah est-ce qu'on voulait et si on voulait téléphoner là avec notre chat, je sais pas. Ça c'est pas forcément. Moi j'avais mis dans la conf, j'ai pas trouvé d'image de grand-mère connectée qui tenait la route parce que dans ma description j'avais mis qu'on allait faire une visio avec mamie. Et puis bah j'ai pas trouvé cette image. Mais bon, du coup je me suis dit le chat, ça peut être sympa aussi. Donc bref, et si WebRTC était la solution? On va voir pourquoi en fait. WebRTC. Ça au passage c'est le logo du coup qu'ils ont. Alors WebRTC pour l'instant, à part le fait que j'ai mis dans le nom de la conf Real-Time Communication, je pense qu'aujourd'hui vous en êtes plus à cet état-là. WebRTC what? C'est quoi? On en fait quoi en fait? Ça sert à quoi? Alors, Real-Time Communication, vous avez compris l'aspect visio, mais on fait plein de trucs en fait. On obtient l'audio, la vidéo, on établit des connexions, vraiment. On s'occupe de transférer l'audio proprement et aussi d'autres types de données. Donc, on package plein de trucs en fait à travers le WebRTC, justement par rapport à la liste de courses qu'on a fait tout à l'heure. Et puis là, surtout, là c'est un peu caché, là on ne le voit pas à travers ce point-là, mais c'est vraiment important, c'est de se dire que le WebRTC va nous masquer en partie aussi cette complexité d'encodage qui est spécifique à chaque matériel. Comment je fais pour récupérer le flux caméra de mon téléphone? C'est quoi le chipset? Comment je fais pour le configurer, pour que ça corresponde, que ça traverse bien les flux HTTP? Ça c'est WebRTC. Enfin, du coup, c'est l'implémentation qui va vous permettre de faire ça. Donc, concrètement, le WebRTC, c'est représenté par trois trucs. Le Get User Media, la RTC Peer Connection et la RTC Data Channel. Alors, je vais revenir sur chacun des points, mais donc, si je le mets là déjà, c'est pour vous dire qu'au final, le WebRTC, c'est pas que récupérer des flux vidéo et les transférer. Il y a des trucs supplémentaires, il y a le RTC Data Channel sur lequel je reviendrai plus tard, qui est un canal de communication supplémentaire. Donc, en termes d'architecture, aujourd'hui, c'est comme ça le WebRTC. Il y a tout ce que votre navigateur a implémenté. Donc là, on voit les audio, capture, render, vidéo, capture, network.io, les vidéos engine, vous voyez, VP8 codec, VP8 jitter buffer, etc. Voice engine, transport, tous ces trucs-là, c'est encapsulé dans le browser. Et puis par-dessus ça, il y a une API spécifiée par le W3C, et c'est là que nous, on va se positionner, on va attaquer là-dessus. On se rend bien compte que là, il y a quand même toute une certaine complexité qui nous est masquée, heureusement. Et on va donc justement se retrouver à ce niveau-là. On va exploiter ça, et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, cette API. La première, Get User Media, c'est un ensemble de streams synchronisés. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait la vidéo, ok, il y a l'audio, mais on peut aussi récupérer N stream, on peut récupérer son écran, on peut récupérer des pistes audio, des choses comme ça. C'est très très complexe et très riche en fait le Get User Media. On peut faire plus que simplement la première vidéo. On peut brancher du coup une webcam précise et choisir quelle webcam on va utiliser. Et ça c'est conditionné par un paramètre, donc vous verrez, il y a un JSON, je vais vous le montrer. Un JSON en entrée qui vous permet de configurer tout ça. Et ça se récupère sur navigateur Get User Media. Alors ça c'est la théorie. Aujourd'hui, en pratique, vous verrez que c'est WebKit Get User Media, Moz Get User Media. Mais bon, globalement, ça va tendre vers un Get User Media. Alors, là vous êtes là, vous vous dites ok, c'est bien, il parle, mais moi je veux voir du code un petit peu. Donc, je vais vous en montrer un petit peu. Là, j'ai fait quelque chose de très simple. Je récupère juste la vidéo. Vous voyez ? J'ai mis constraint vidéo true, donc j'ai même pas spécifié l'audio. Qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai utilisé. Alors, il est où mon Get User Media? Il est ici. Donc, navigateur. Hop, je dois prendre un peu de recul, excusez-moi. Voilà. Navigateur Get User Media, donc qui prend en entrée mes contraintes. Donc, le fait que je veux que de la vidéo. Mon callback de succès, mon callback d'erreur. Normalement, préalablement, mais là, j'avais pas la place sur les slides. Vous pouvez vérifier quand même que Get User Media est bien présent dans votre navigateur. Parce que par exemple sur Safari ça marche pas, sur iOS ça marche pas. Donc une fois que vous avez vérifié ça, vous retrouvez dans le callback et là ce que vous avez c'est un objet stream que vous allez pouvoir. Donc là je l'ai mis sur une vidéo, mais on pourrait très bien si on avait récupéré du coup le son, on pourrait faire la même chose avec l'audio. Et ce stream on va en faire quelque chose, on va le transformer, window, URL, create object URL, donc c'est
c'est des mécanismes du coup qui nous sont offerts en tant que développeurs, qui vont nous permettre de lancer directement la vidéo qu'on a récupérée issue de notre caméra. Là, j'ai mis une contrainte un peu plus grosse pour vous montrer des possibilités. Il y en a plein d'autres. Hein. Là, par exemple, je spécifie un ratio d'aspect que je veux. Je peux spécifier une résolution. Là, c'est pour ça aussi que tout à l'heure, là, avec le téléphone, c'était très moche. Parce que du coup, je me suis mis dans une résolution assez faible. Et là, bah, par exemple, je spécifie explicitement, je ne veux pas l'audio. On peut avoir de la même manière un min-width, etc. On peut dire, je veux une résolution minimum. On va pouvoir spécifier, je montrerai sur un autre slide, comment on choisit la source. Et puis bon, bah, voilà, le WebKit est ouvert. Alors, il faut que je quitte le plein écran, parce que tout à l'heure je me suis fait avoir. Alors, petite démo, du coup. Là, c'est ni plus ni moins que le premier coup de code que je vous ai montré tout à l'heure sur la vidéo. Voilà, j'avais une balise vidéo sur laquelle j'ai fait un autoplay true. Je set l'URL, etc. Voilà, c'est le get user media, j'ai récupéré directement ma vidéo. Parlons sécurité. Pourquoi parlons sécurité? Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu flippant de se dire merde, j'ai mon téléphone, on va pouvoir me filmer tout le temps. Non, on va pas pouvoir vous filmer tout le temps. Il y a des trucs à savoir. Vous avez vu déjà tout à l'heure, il m'a demandé une autorisation. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais du repasser. Hein. Il m'a demandé une autorisation. Sauf que, si vous êtes derrière un serveur en HTTPS, dans ce cas-là, le navigateur va être capable de mémoriser votre autorisation. Donc si vous autorisez une fois un get user media sur un site HTTPS, ce sera mémorisé tout le temps. Alors, pas de panique, les navigateurs offrent la possibilité de mettre ça à jour a posteriori. Si finalement, vous n'avez pas envie qu'on vous filme comme ça quand vous allez sur ce site-là, vous pouvez aller révoquer l'autorisation que vous avez donnée. Je parle des Chrome Apps parce que bon bah voilà, je suis GDG. je parle un petit peu des fois de trucs Google. Dans les Chrome Apps, on peut en fait le spécifier du coup via des autorisations, donc c'est au moment de l'installation de la Chrome Apps que ça va être précisé. Et puis, voilà, le fait qu'on puisse préciser ça dans les paramètres dans Chrome et dans Firefox aussi. Donc c'est important de voir que c'est pas fait à votre insu. D'accord ? Faut pas avoir cette crainte de je vais me faire filmer n'importe quoi. Et puis chose importante, en fait il n'y a pas vraiment de fichier. C'est, ça ne peut pas être fait en local, c'est vraiment streamé ce truc. On peut pas ouvrir un index.html qui référence un JS et qui du coup va faire ce get user media. Et une notion de serveur, de stream, on n'est pas sur du fichier, on est vraiment sur un stream qui vient et qui doit être servi en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire directement depuis l'ouverture d'un fichier. Après, il y a des mécanismes, hein, si vous voulez enregistrer ce que vous êtes en train de filmer, il y a moyen, du coup, il y a des trucs en JavaScript, de récupérer ce stream, de le transformer en objet, et puis bon, bah, d'en faire un fichier et de le récupérer à la fin. Mais de base, ça ne marchera pas si vous n'êtes pas derrière un serveur. En fait. Vous aurez sinon un truc qui s'appelle Get Permission Denied, qui ne dit pas plus pour l'instant. Aujourd'hui, c'est ça l'erreur, c'est pas très explicite, mais bon. Et puis, bon, bah ça j'en ai parlé, la résolution, la source. Et chose intéressante, récemment, ils ont mis en place récupérer son écran ou son onglet. Là, ça commence à devenir intéressant. Et il y a même plus que ça maintenant, j'ai vu il y a très peu de temps. On peut même récupérer carrément une fenêtre. Alors, j'ai pas testé, je l'ai pas encore essayé le fait de récupérer une fenêtre. Mais c'est plutôt intéressant du coup, bah, pour vraiment des solutions de visio, on va pouvoir faire ce qu'on fait déjà avec des solutions commerciales, etc. On va récupérer une image seulement, et puis choisir la source de ce qu'on veut partager. Et ça, faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, c'est vraiment draft, ça évolue beaucoup. La qualité n'est pas forcément encore au rendez-vous, ça lag pas mal. Mais c'est quand même assez prometteur et c'est sympa de savoir que ça existe et que du coup c'est des possibilités pour l'avenir. Donc là, par exemple, si je veux récupérer mon écran, alors aujourd'hui c'est que Chrome qui propose ça, l'écran. Donc voilà, quand je spécifie mes contraintes, je fais Chrome Media Source, Screen ou Tab par exemple. Voilà.
j'ai récupéré mon écran. Alors j'ai mis ce... quand on publiera les slides, etc. Je vous invite à aller voir cette présentation-là. Parce que celle-ci, en fait, elle est spécifiée... c'est un mec qui s'occupe aussi, qui suit beaucoup l'actualité des WebRTC, et lui, il a fait un truc 100% que sur cet aspect-là. Que sur l'aspect partage d'écran. Donc ces slides sont bourrés de code, du coup très sympa à suivre. Il n'y a pas de vidéo, mais quand on lit les slides, on comprend tout. Donc c'est assez sympa si vous voulez approfondir cette partie-là, en tout cas du partage. Ces slides-là sont plutôt bien écrits. Et je vous en ai parlé, le fameux choix de source. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui fait que là, sur le téléphone, je vous ai filmé avec cette caméra-là et pas celle-ci. C'est parce que j'ai choisi la source. Alors comment ça se passe? C'est pareil, il faut récupérer donc c'est des mécanismes qui sont disponibles du coup dans le navigateur. Il faut vérifier avant que le navigateur l'implémente, etc. comme à chaque fois. Mais bref, on va récupérer des sources, pas que vidéo, on va récupérer des sources audio aussi. Vous voyez, donc j'ai mis ce qu'on récupère, ID, label, kind. Audio, vidéo, label, ça va vous donner le nom si c'est la caméra front, caméra back et puis un ID. Et du coup, après vous allez pouvoir spécifier l'ID optionnel, source ID, vidéo source. Vous faites le lien comme ça par rapport à ce que vous avez choisi. D'accord ? Un petit démo encore. Il me redemande. Est-ce que ça va passer ? Non. Là, j'autorise. Donc vous voyez là, apparemment j'ai 4 entrées microphone, donc voilà, je vais pouvoir choisir de changer ma caméra, alors je sais pas ce que c'est la caméra 2 sur mon PC, je comprends pas trop, mais bref. On a listé quand même un certain nombre, donc là vous pouvez vraiment imaginer, vous avez certes votre caméra de PC portable qui est connectée, mais vous allez très bien pouvoir brancher une webcam extérieure qui est de bien meilleure résolution, qui va vous servir pour vos streams, etc. Ce qui va être beaucoup plus pratique. Et mieux correspondre à votre besoin. Donc c'est pas une limitation et c'est plutôt intéressant ça. Alors j'ai mis Konami Code parce que dans le sens si on fait le Get User Media, ce qu'il faut penser, c'est pas forcément se réduire à la balise vidéo. Il faut penser plus. Le HTML5 nous propose plein de choses, que ce soit à travers la Web Audio API, les Canva, etc. On peut du coup complètement modifier son flux. Alors, déjà sur la balise vidéo, on peut appliquer des filtres CSS, on peut s'amuser. Mais surtout, si on mixe ça avec des Canva, on peut mixer du coup des sources de flux différents. On va pouvoir récupérer par exemple une source onglet, une source caméra. Et puis bah, on va mixer ça dans un Canva et puis bah, avoir une vraie IHM assez riche dans laquelle on va pouvoir déplacer nos fenêtres, etc. Donc j'ai mis vers l'infini et l'au-delà, vous faites ce que vous voulez, après vous êtes vraiment très libre. Et là, ce lien-là, si vous l'essayez, c'est du coup quelqu'un qui récupère le son audio et puis qui le transforme, qui applique des filtres audio dessus. Alors là, par exemple, justement, c'est pas j'ai fait exprès de ne pas mettre un Canva, j'ai mis autre chose. Voilà, là, si ça va. C'est une démo là que j'ai trouvée, donc vous verrez le code est dispo. Voilà, le mec en fait il a fait c'est une balise pré. Donc là c'est vraiment juste une balise pré et dans laquelle il a dessiné du code. Il a fait du code ASCII quoi. Donc il interprète le code de la vidéo. Donc voilà, ça montre les possibilités quoi. C'est assez riche. Là voilà le texte, je peux le sélectionner. C'est vraiment du texte ici, vous voyez. C'est assez rigolo, je trouve, comme idée. Je ne sais pas si c'est ce qu'on va forcément utiliser dans nos sociétés, je ne suis pas convaincu. Ceci dit, ça vous montre les possibilités, que c'est riche, d'accord. Il ne faut pas forcément ne réfléchir qu'à votre balise vidéo. Il faut réfléchir au-delà. Vous pouvez, grâce à la puissance de HTML5, faire plus. Donc voilà, ça c'était pour la partie Get User Media. Parce que c'est quand même un grand pan, c'est quand même un des trucs les plus importants, parce que c'est un peu la base, on va dire, entre guillemets, de la vision. C'est ce qui va nous donner l'acquisition de nos flux. Après, il y a le deuxième aspect, c'est la RTC Peer Connection. En gros, Get User Media tout seul, c'est bien, mais je suis qu'en local. Comment je fais maintenant pour transporter ces infos-là? Et bien, c'est ça. RTC Peer Connection plus Get User Media,
Là, on arrive vraiment dans la visio. Parce que du coup, on va faire passer nos flux de données, on va les faire passer à travers un réseau, donc soit un réseau intranet, soit internet, etc. Donc là, on s'en fout. Mais c'est le fait de coupler les deux. Au passage, c'est trop petit pour que vous puissiez le remarquer, mais cette image, elle est doublement intéressante parce que là, ici, c'est... alors, je ne sais plus lequel est lequel, mais il y en a un dans les deux, qui est chez Chrome, et l'autre qui est chez Firefox. En fait, c'était justement, ils étaient tout contents d'avoir montré ça, parce que c'est assez rare, pour qu'on le note, c'est que les équipes de Chrome et de Firefox, en fait, ils travaillent vraiment ensemble sur l'établissement de cette norme. Et déjà, vous avez les deux navigateurs qui évoluent au même rythme, et qui assurent vraiment une bonne gestion, à part, bon, pour le partage d'écran, ok. Mais sur la norme de base, parce que finalement, le partage d'écran, c'est juste le Get User Media, c'est une spécificité. Par contre, tout le reste, le fond, la communication, l'échange de flux, ça, vraiment, elle travaille ensemble. Donc voilà, la RTC Peer Connection, pour y revenir, ça sert à résoudre les problèmes de communication multimédia, les codecs, la résolution, tous ces problèmes-là, identifier les adresses des autres, parce que, c'est pas le tout, mais il faut que je sache à qui je dois communiquer, à qui je dois donner mes infos. Et enfin, ça va servir quand même à échanger les données, c'est la moindre des choses. Alors, accrochez-vous, parce que là, je vais rentrer dans des trucs, ça va être un peu chiant. Mais c'est surtout, il va y avoir beaucoup de trucs conceptuels. Alors, il y a déjà une notion d'offre et de demande, en fait. C'est ça la base de RTC Peer Connection, c'est qu'il y a une notion de quelqu'un qui demande et quelqu'un qui appelle. Ça s'appelle le signaling. C'est le terme, en fait, qui est utilisé quand on fait du WebRTC, on parle de signaling. Et après, donc, le signaling, c'est quel type de média et format moi je supporte sur mon navigateur. Qu'est-ce que je sais faire? Ensuite, qu'est-ce que je peux t'envoyer? Et enfin, quel est mon type d'infrastructure réseau? Est-ce que je suis derrière un proxy? Est-ce que je suis juste derrière une petite box? Enfin là, voilà, par exemple, c'était le cas, là, entre mon téléphone et mon PC, là, je suis juste derrière ma lightbox. Comment on va faire pour se retrouver, en fait? Donc, par exemple, ici, il y a Alice et Eve qui veulent communiquer ensemble. Il y a Alice qui va créer une offre. Elle va dire, ok, tiens, je crée mon offre. Et dans le callback, parce que du coup, c'est une méthode avec un callback, elle va citer sa description locale. En gros, elle appelle l'API WebRTC, et puis elle dit, ok, en gros, je veux créer une offre, qu'est-ce que je suis capable de faire? Maintenant, elle la sérialise via du JSON, et elle l'envoie à Eve. Eve, elle va appeler la méthode setRemoteDescription dès qu'elle reçoit la description de Alice. Et elle va dire, ok, j'ai reçu une demande d'offre quelque part, maintenant, moi, qu'est-ce que je suis capable d'offrir en réponse? Elle va créer une réponse, de la même façon, il y a un callback. Elle va citer elle-même sa propre description, d'accord? Et enfin, elle va l'envoyer, après l'avoir sérialisé, à Alice. Alice va recevoir l'offre, enfin la réponse du coup de Eve, et va citer dans la set remote description. Ça y est, on sait communiquer ensemble. Ça, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On se connaît du moins. Deuxième étape, gestion du Ice Candidate. C'est pour ça que je l'ai dit accrocher moi. Gestion du Ice Candidate. Alors, en fait, le ICE, c'est un framework de connection de peer. Donc, c'est au mieux, on est connecté en UDP. Après, on sera connecté en TCP. Et après, via des serveurs de relais, si jamais ça marche pas. Et là, donc, elles ont toutes les deux leur peer RTC peer connection. Et il va y avoir les ICE candidates. Les ICE candidates, ça va vraiment correspondre à ces chemins possibles que vous avez pour accéder au PC de l'autre. Donc, on retrouve un peu la même chose. Donc, Alice sérialise les ICE candidates, les envoie à Eve. Eve reçoit les ICE candidates d'Alice, elle ajoute ses ICE candidates, etc. Bref. Une fois que tous ces échanges entre la description, les ICE candidates sont faits, on sait vraiment le truc de tout à l'heure que je vous ai dit, le slide où je disais qu'est-ce que je supporte comme format, derrière quelle infrastructure réseau je suis. Okay. Et à partir de là, les deux savent communiquer. Sachant que c'est fait à peu près en parallèle ces deux types d'opérations. On n'a pas forcément une qui est faite avant l'autre, c'est pas forcément pour l'instant. Ouais. Donc, moi ça m'a fait penser à ça, un petit peu. Je trouvais.
Et oui, et aux Harry Potter, c'était un peu du déjà vu. C'est ce qu'il faut voir, attention, avec le WebRTC, et puis c'est souvent le cas finalement avec plein de trucs du HTML5, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais c'est standardisé dans le navigateur. D'accord ? Donc c'est, ce que je vous présente, c'est pas des concepts nouveaux, je vous présente des choses qui ont déjà été éprouvées, les iServer, les trucs, les serveurs dont je vais parler après, ça a été inventé avant le WebRTC. Seulement maintenant, le WebRTC a posé des API, a décidé d'utiliser telle et telle norme. D'accord ? Et donc, la question qu'on se pose, puisque j'ai parlé de échanger des données, mais maintenant, comment on fait cette partie d'échange de données, en fait ? C'est ça, c'est... Quand j'ai dit tout à l'heure, Alice, elle sérialise et elle envoie la description à Eve. Comment ? Et bien, là-dessus, il y a un certain flou global de la part de Mozilla et de Google. Ils disent, en soi, vu que c'est sérialisé, on va pas vous forcer, on va pas vous imposer une solution. Parce qu'on peut très bien faire du link pooling, des simples requêtes, ou alors, ce qu'ils préconisent, ils préconisent quand même quelque chose, préconisent les WebSockets. Parce qu'au final, aujourd'hui, c'est assez répandu, c'est un peu plus naturel, si en plus on va utiliser des trucs comme Socket.io, on va récupérer un peu plus facilement les JSON en entrée, en sortie, etc. Et puis, ils ont raison, si WebRTC est supporté, il y a de fortes chances que les WebSockets soient supportés aussi, en général. Donc voilà, et puis aussi, on peut faire ce signaling facilement, en sécurisé, à travers les WebSockets. C'est pas un problème, les WebSockets, c'est pas un problème de sécurité. Tout court. Donc voilà, en gros, vous êtes libre pour le signaling, seulement il faut savoir que ce qui est préconisé, c'est les WebSockets. Et aujourd'hui, globalement, la plupart des connexions qui sont établies, qui ont été référencées, ça c'est des slides de Google, qui ont été référencées, montrent que 86% à peu près, c'est fait directement. Il y en a très très peu qui sont reliés vraiment par un autre serveur. Je vais vous montrer un schéma d'architecture après, pour illustrer ce slide-là. Voilà. Ça, je ne sais pas si vous voyez bien au fond du coup, parce que c'est vrai que l'image est un peu basse, je n'avais pas pensé. Je vais essayer de le commenter. En gros, vous avez de chaque côté des PC, avec devant, comme en entreprise, un proxy. En gros, vous avez quelque chose, un firewall, un proxy qui va vous bloquer, qui fait que votre adresse IP elle n'est pas forcément connue de l'extérieur. Et donc, ils ont mis en place deux choses. Il y a ce qui s'appelle un stun server et un turn server. Ce n'est pas forcément le même rôle. Le stun, simple traversal of UDP through NAT, turn traversal using relay. Le turn, du coup, lui, va être utilisé quand justement on ne trouve pas le moyen d'établir vraiment cette communication, quand on n'est pas capable de d'établir la connexion directement entre les deux PC. On va être obligé de passer par des serveurs de relais qui vont du coup faire ce boulot-là. Et les stun, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous donner l'adresse IP qui est de votre PC derrière ce NAT. Donc ça c'est la vraie architecture en gros telle qu'elle existe. Quand ils présentent le WebRTC, ils disent « Ah regardez, il y a un nuage et puis vous avez des connexions. » En réalité, on est plus là-dessus. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir en fait un certain nombre de turns et sterns qui sont publics, qui sont mis à dispo aussi. Et de toute façon, le code de ces serveurs-là est open sourcé. Vous êtes capable, au pire, si vous ne voulez pas utiliser les serveurs publics, de coder vos propres serveurs stun et turn. Donc voilà, je pense que là vous en êtes là à peu près en ce moment. Ne vous en faites pas, j'ai bientôt fini. Ah, hop, je vais passer mon slide quand même. Il y a un truc dont j'ai pas encore parlé. Tout à l'heure, je vous ai parlé des tuteurs médias, RTC Peer Connection et RTC Data Channel. Alors le RTC Data Channel, c'est ce troisième aspect qu'il ne faut pas oublier finalement du WebRTC, qui est la notion de transfert de données binaires textuelles. C'est vachement bien parce que ils ont bien réfléchi le truc, les WebSockets sont plutôt bien implémentés aujourd'hui, bien intégrés, on va dire, dans l'écosystème web. Beaucoup de monde, qui sait vraiment utiliser, vous savez utiliser les WebSockets aujourd'hui,
Levez la main ceux qui savent qu'on a déjà fait, qu'on a déjà utilisé en projet. Hein. Pas tant que ça finalement. Ok, bon. C'est une API qui est quand même assez simple d'utilisation. Vous verrez, j'ai mis après. Et donc, le RTC Data Channel utilise cette même API, globalement. Le seul truc, c'est que bah, voilà, vous n'allez pas passer cette fois-ci par un serveur tiers, vous allez être visiblement dans une pseudo relation peer-to-peer. Quand je dis pseudo, c'est toujours par rapport à mon serveur, à mon schéma tout à l'heure avec Eston, d'accord ? Et tout cela se fait sur une RTC peer connection. Au moment de l'établissement de la peer connection, vous allez créer un data channel. Vous avez le peer connection qui s'occupe, elle, déjà de communiquer des flux, c'est le stream. Et après, vous allez pouvoir créer en plus un canal de communication supplémentaire dans lequel vous allez faire passer ce que vous voulez. Soit faire du chat avec des données textuelles, soit carrément faire passer des binaires. Alors, en termes de code, donc, on a la RTC peer connection donc avec un certain nombre de paramètres. Et ce qu'il faut. Alors, il est où mon initialisation ? Voilà. Au moment de l'initialisation de ma RTC peer connection, je précise que je veux utiliser le data channel. Et du coup, j'ai un callback. On le voit là. On data channel, etc. Receive channel. Et là, on retrouve un on message qui est assez familier aux personnes qui ont utilisé déjà les WebSockets. Et après, bah, on en fait ce qu'on veut. Et puis pour envoyer, on va envoyer des données. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Enfin bref. J'en parle, c'est surtout pour le fait que vous pensiez à utiliser ça éventuellement comme solution. Pas comme seule vision, excusez-moi, je perds mes mots. Pas comme seule vision de la vision, il n'y a pas que ça. Et la sécurité dans tout ça, il y a quoi en fait ? Bah, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure sur l'aspect user media. Globalement, c'est pensé depuis le début, c'est ce qu'ils annoncent. Je pense qu'il y a sûrement la NSA qui a des algos par derrière pour décrypter des trucs. Mais globalement, ils annoncent en tout cas, de côté Google et côté Firefox, qu'ils cryptent quand même les données des médias qui traversent à travers ces données-là. Sécurisation graphique, via du coup cette autorisation, bah, vous n'allez pas finalement lancer quelque chose si vous n'êtes pas d'accord. Et c'est sandboxé. C'est-à-dire vraiment, quand vous êtes dans cet univers d'une connexion en fait, WebRTC, vous êtes isolé, votre appli, votre onglet est isolé du reste du navigateur, vous n'allez pas faire crasher votre PC à travers une appli WebRTC. C'est ce qu'ils annoncent. Et côté sécurisation, l'architecture recommandée, c'est de faire le signaling à travers le SSL. Forcément, parce que bon, bah voilà. Et après, du coup, bah, ça, ils l'assurent. Alors, pour nous, les devs, parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de trucs, c'est pas forcément toujours évident, notamment la partie Ice Candidate, etc. C'est pas la partie la plus sexy à faire. Donc, il y a quand même un certain nombre d'outils qui ont été mis à notre disposition déjà, même si c'est très récent. Il y a des outils, alors, dans Chrome, il y a une URL qui va vous filer plein de stats sur les perfs, la bande passante utilisée, etc., par chacun de vos data channels créés, de vos peer connections utilisées, etc. Vous allez pouvoir suivre ça avec cette URL-là. Adapter.js, c'est une librairie qui est maintenue à la fois par Chrome et par Firefox, qui permet de masquer en fait le code justement propre à chaque navigateur pour uniformiser l'API WebRTC. Et puis il y a des librairies. Il y a Simple WebRTC, EasyRTC, ShareFest. Alors il y en a qui sont orientés du coup visio, d'autres qui sont orientés uniquement peer-to-peer et du coup qui n'exploitent que l'aspect data channel. Parce que c'est vrai qu'après tout, bah, du coup, grâce à WebRTC, on va pouvoir penser des applis de partage de fichiers, des choses comme ça, qui sont vraiment, qui sont plus peer-to-peer, qui vont arrêter de solliciter un serveur, etc. Par exemple, j'ai mis Simple WebRTC, vous déclarez, donc vous importez la librairie JS, vous déclarez un local vidéo, un remote vidéo, il y a bien remote vidéo avec un S, c'est pas anodin. Et dans votre code JS, vous faites ça, new WebRTC,
c'est quoi mon ID de local, c'est quoi mon ID de remote, auto request media query, donc ça c'est le fait, est-ce que je veux demander automatiquement le get user media ou est-ce qu'au contraire je veux le faire moi quand j'ai décidé. Et on peut donc définir une room, etc. Après, par derrière, Simple WebRTC vous file une implémentation de serveur quand même. Hein. Voilà. Il vous donne le code. Je crois qu'il y a du node. Faudrait que je regarde la lib. Donc voilà. En gros, établir une visio, ça peut se résumer à ça. C'est quand même beaucoup plus simple. Plus agréable. L'inconvénient de cette solution, pour moi, c'est qu'elle ne permet pas assez de customisation sur justement la liberté qu'on avait tout à l'heure avec le fait de mixer les flux dans des Canva, etc. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire sur les librairies, mais déjà pour des protos, ça c'est plutôt pas mal pour aller vite. Et puis j'ai montré une autre aussi, c'est PeerJS par exemple, donc pour faire juste du peer-to-peer, ça va se résumer à ça. Vous importez la librairie, vous créez une peer, bon, faut utiliser, voilà, il y a un API. Et puis on va avoir des données qui vont s'échanger, tout simplement. Donc c'est vachement plus simple, hein, vous voyez. Ils ont vraiment masqué toute la complexité de synchronisation, de signaling qui est pénible en fait. Hein. Clairement, c'est pénible à faire le signaling. Mais bon. Et non, vous ne rêvez pas. C'était vraiment simple. C'est pas que vous avez rien compris. C'était vraiment. Si on utilise ces librairies-là, ça va aller vite. Et puis il y en a d'autres. Il hein, y a d'autres. Là, ça, c'est des slides qui datent un petit peu. Je pense que si on cherche aujourd'hui sur GitHub, si on cherche un peu les ressources officielles, je pense qu'on va trouver encore d'autres librairies qui vont nous laisser un peu plus de liberté. Je sais qu'en France, du côté de Lannion, il y a une société qui bosse aussi sur le WebRTC, qui propose cette customisation en plus qui manque. Par contre, l'inconvénient de leur solution, c'est qu'il faut passer par leur serveur, avoir des API spécifiques, etc. Donc, si vous voulez prototyper ça chez vous, enfin, quand je dis chez vous, chez votre client, et que vous êtes derrière un firewall d'entreprise, bah c'est mort, en fait, ça passera pas. Parce que du coup, aujourd'hui, dans leur serveur Stun et Turn qu'ils ont mis en place, c'est pas encore, ils n'arrivent pas encore à bien identifier les adresses IP des PC. Par contre, du coup, pour des trucs plus publics, ça peut être intéressant d'utiliser leur solution. Voilà. La fin est proche. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que je viens de vous dire? Parce que j'ai dit pas mal de trucs. WebRTC, donc c'est prometteur parce que ça, c'est le début, hein, mais il y a quand même pas mal de nouveautés, de possibilités de communication qu'on n'avait pas avant. Enfin, qu'on avait avant, mais via des plugins et qui étaient du coup plus propriétaires et pas forcément accessibles. WebRTC, c'est pas que la visio, c'est vraiment trois choses: Get User Media, RTC Peer Connection et RTC Data Channel. Donc voilà, il n'y a pas que la visio dans le WebRTC, bon ça je viens de le dire. Et petite subtilité quand même, attention. Aujourd'hui, c'est une limitation navigateur, parce que forcément, on pourrait très bien imaginer des mecs qui s'amusent à développer des trucs qui vont ouvrir 15 000 RTC Peer Connection avec le monde entier. Donc non, il y a une limitation à 12 RTC Peer Connection au sein d'un navigateur. Pour l'instant. Donc, si vous voulez faire des visios avec 100 personnes, 200 personnes, etc., il faut mettre en place un autre type d'architecture où du coup vous allez dépendre d'un serveur tiers qu'ils appellent MCU, qui est un serveur de relais multimédia. Du coup, là, on retombe finalement dans la première architecture de peer-to-peer que je vous avais montré, où il y avait un serveur. Du coup, c'est des besoins un peu spécifiques. Tableau à voir aussi au niveau des compatibilités. Donc vous voyez Chrome Desktop, Chrome Android, bon bah aujourd'hui c'est bon, c'est supporté. Opera supporte aussi les trois canaux. Et Firefox, bon bah maintenant voilà, on est sur le 29, c'est bon, il n'y a plus de soucis pour Firefox. Bon bah il manque encore Safari IE, ça viendra. Enfin je pense, j'espère. Et ça c'est pas mal aussi, cette petite adresse, vous verrez, ce qu'il y a dessus, c'est ça montre en fait toutes les possibilités de WebRTC, parce que dans WebRTC il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé, des gestions possibles automatiques de reconnexion, des gestions de changement de résolution parce que le débit devient trop bas,
des choses comme ça. Donc si vous cliquez sur ce lien là, il vous dira si votre navigateur est capable de supporter telle fonctionnalité, etc. Ils ont mis ça en place. Et puis au passage, en plus, ça vous donnera une idée vraiment de toutes les possibilités qui sont mises en place avec le WebRTC. Les liens. Alors, application de démo maintenue par la team WebRTC, c'est quoi ? C'est, donc c'est les gars de Google qui ont mis en fait sur GitHub une appli qui fait simplement une visio entre deux personnes. Alors, la partie signaling, forcément, c'est les gars de Google, ils l'ont fait avec App Engine. Mais bon, globalement, le code client reste le même. Et c'est pas très compliqué de trouver le code de signaling que vous allez faire via un serveur autre, en fait. Cette présentation, voilà, c'est quand vous aurez un lien. Ça aussi, elle est intéressante. La présentation qu'avait fait Sam Dutton à Google.io l'année dernière, parce qu'il va rentrer dans certains points de détail que j'ai pas évoqués. Par exemple, si ça vous intéresse de regarder à quoi ça ressemble un message Ace Candidate ou DRTC description, il en parle et il explique un peu ce qu'il y a derrière. Et puis, il y a tout un ensemble de ressources qui sont disponibles via ce lien-là. Et enfin, il y a des choses assez indispensables à lire. Il y a comment démarrer avec le WebRTC, donc ça, c'est les slides de HTML5. Les mises à jour, parce que du coup, ils ont fait pas mal de mises à jour récemment, notamment sur l'aspect reconnexion et justement gestion de la bande passante. Et puis après, pour aller un peu plus loin sur les possibilités, ce qu'on peut faire avec la Web Audio API, les Canva, le Get User Media, etc. Et ça, c'est juste un article uniquement sur le RTC Data Channel et sa mise en place, son utilisation, etc. Voilà, pour bien compléter si vous avez envie après votre lecture. Voilà. Je vous remercie si vous avez des questions. Oui. Donc pour faire un échange entre deux PC, on est obligé d'avoir quand même un serveur. Non. Enfin oui, pour la partie signaling en fait. Ouais. Pour la partie signaling, ouais. Ah, ouais. C'est en fait l'avantage de. Début, on n'est pas en restant vraiment bien coupé. Bah, t'es, une fois que ta connexion est établie, si. Ouais. C'est ça la subtilité en fait. C'est ça la subtilité, c'est que t'as besoin du serveur juste à l'initialisation. Et après, c'est fini quoi. Est-ce que t'as un exemple de signaling hein, de quoi tu veux signaler en fait Ouais. On m'a demandé un exemple de code de signaling. Alors, par exemple, là c'est un serveur node basé sur Socket.io. Donc là voilà, j'ai les messages. Donc là il y a la partie création. Donc là c'était pour définir que je voulais un seul utilisateur, enfin que je voulais que deux utilisateurs, donc mon téléphone et mon PC. Et en fait, tous les messages ils vont passer quasiment par là. Ça c'est juste les tiens il y a tel user qui rentre, on passe par là et après le code est dans voilà, ici. Là ça devient plus compliqué. Alors si on regarde, donc ça c'est socket, join, send, voilà. Quand j'ai un message qui arrive, je vais avoir la notion d'offre. Donc, quand je reçois une offre, le fameux set remote description, les add ice candidate, ok. Et là, dans les maybe smart, maybe start, do answer, on va aller regarder. Je vais avoir des create peer connection, le add stream, qui lui, finalement, est la méthode que j'appelle au moment où je reçois mon stream distant et que je veux le valuer sur une vidéo. Parce que du coup, en gros, quand vous êtes sur la partie cliente, il y a potentiellement, on va imaginer, votre vidéo locale et la vidéo distante. Donc ça, là, le PC add stream, c'est vous ajoutez votre stream local pour qu'il arrive, du coup, sur le stream distant. Donc, si on regarde, remote vidéo, non, ça, on s'en fout. Quand je crée ma peer connection, je vais récupérer mes ice candidates. Quand je récupère un stream, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir.
Tac, 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 voilà. Attach Media Stream, donc ça justement, ça c'est des trucs qui sont fournis par adapteur JS, la fameuse librairie qui est maintenue par Firefox et par Chrome. Ce qui vous permet de pas vous prendre la tête, vous utilisez ça. Ça fait, ça convertit le stream en URL et ça l'attache à la vidéo, etc. Et donc le Ice Candidate, donc vous voyez, il y a le fameux send message, donc ça c'est ça le coup de je sérialise mon candidat. Et de la même chose pour la description, je l'envoie, le coup de l'envoi à Eve ou de l'envoi de la réponse, c'est similaire. Donc c'est un type candidate, parce que c'est comme ça qu'on va le recevoir dans un WebSocket. On donne les infos. Ça c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est du code repris justement de ce fameux exemple fourni par la team. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup de code. C'est pour ça que... Si vous repensez à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Simple WebRTC, Simple WebRTC c'est pas mal quoi. Voilà. Donc là, on est à 400 lignes de code, alors Simple WebRTC. Bon, ils les ont les 400 lignes de code Simple WebRTC, mais ils sont cachés quoi. Pour votre code, ça peut être un peu plus simple des fois. D'autres questions ? Bah, n'oubliez pas de voter en sortant. Je vous remercie.